Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on fait une vidéo très rapide, c'est une carte, donc j'ai déjà préparé ce que je voulais faire. Voilà, en ce format là, donc c'est le format A6 de chez Action. La carte mesure 10,5 par 14,8. Donc on vient y mettre un fond, donc moi j'ai choisi celui-ci, donc 10 par 14,2, normalement, 14,3 pardon, non 14,2. Non, 14,3. Donc 14,3 par 10. Et on vient la coller. Voilà. Alors, j'ai oublié ma colle. Hop. Voilà. Donc voilà. Hop. Et on colle. Maintenant. Alors, je fais une. J'ai vu ça sur Pinterest. Je la trouve vraiment magnifique. Donc, c'est pour ça que je tiens à refaire dans le même style. Une feuille où on va venir tamponner. Celle-ci mesure, je crois que c'est 9,5. Oui, c'est ça. 9,5 par 13,8. 13,8. Et on va venir la coller. Voilà, donc on vient coller. Comme ceci, vous voyez, un fond blanc. Donc on essaye de le mettre au maximum dans le milieu. Voilà, et là moi je veux faire des écritures. Voilà. Hop, c'est parti. Je regarde juste le sens. Voilà. Parfait. Et on va revenir tamponner une autre fois. Donc là, par contre, je vais mettre une protection, une feuille. Voilà. Hop. Et mettre au bord. Voilà. Voilà, ça donne ceci, vous voyez, c'est très léger. Hop, donc j'ai fait, alors, toujours du tamponnage, vous voyez, je suis venue faire une rose et je suis venue faire comme trois petits cadres. Vous voyez, je suis venue couper en trois. Voilà, et là-dessus, que je vais remettre dans l'ordre par contre, et on va venir les coller sur le côté. Voilà, et on laissera un espace entre chaque. Voilà. Voilà. Tout simplement. Hop, j'ai pas trop collé ici parce que je vais. Mince, ça s'est décalé. La dernière, on peut la coller même en dernière, la dernière. Parce que je vais y mettre tout simplement deux découpes. Une en forme de feuillage. Donc je la laisse bien, voilà, en forme de feuillage. Et l'autre, c'est une fleur et je l'ai fait avec des paillettes argentées pour ressembler à du givre parce que bah il fait encore mince. Super froid par ici. Voilà.
une comme ceci. Voilà, et je viens recoller le bord de ma dernière vignette. Comme ceci. Alors, j'essaye d'appuyer bien évidemment pour que ça colle bien partout. Voilà. Et donc, moi j'ai vu, alors j'ai pas de tamponnage comme ça, je vais faire simplement le tour. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on va se mettre comme ça. Voilà, à main levée, justement, le fait qu'il y ait des tremblements, moi, je trouve ça plus joli. Voilà. Et on va y noter un brin. Voilà. Ici, on va noter... De. Alors moi j'ai des tremblements donc ça tombe très bien parce que je trouvais ça plus joli le fait que ce ne soit pas droit. Et ici on va noter douceur. Alors forcément je ne pourrais pas l'écrire de partout. Voilà. Voilà, je le mets bien. Voilà, je la trouve super belle. Moi, j'adore. Donc voilà, il y a juste le U qu'on voit mal. Donc, je vais réécrire dessus. Voilà. Hop, je vais vous remontrer, j'insiste sur les écritures. Voilà. Tac, voilà. Donc ici, vous pouvez mettre un petit mot. Moi, honnêtement, je vais laisser tel que parce que je la trouve trop belle comme ceci. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Toute simple, mais qui fait son effet. Donc ça, je l'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.